Et hoyo minasan, c'est Kenzo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 8 sur Battlefield Hardline. Donc c'est parti, allons-y, on va reprendre. Ok. Précédemment dans Hardline, on contrôle tout un réseau de flics, de sous-traitants militaires et douaniers. Vous nous payez ? On vous fait profiter de ce réseau. Si on arrive à le planquer dans une de ses valises, on pourra le suivre. Tu veux voler le fric de Dawes avant qu'il ait le temps de le blanchir. Ce serait plutôt marrant, mais tu te débrouilleras seul. Il se pourrait que l'assassin de Kang soit un vieil ami. Ah, Estodard, tu l'as eu ? Je me suis dit que t'aurais sans doute besoin d'un coup de main ici. Ok. Hé hey, les gars, vous avez vu les infos ? De quoi, à propos de Rourke ? Apparemment, vous avez causé plus de 3 millions de dollars de dégâts. Ouais, mais faut dire que ce type vit dans une maison de verre. Yes, ma couille! Vous allez bien kiffer! Bam! C'est quoi, ça? C'est là que Dawes garde son argent sale. Ton histoire de tracker a fonctionné? Ouais, tiens, regarde. C'est là que le téléphone de Kyle s'y retrouvait. Au QG de la société de Dawes. C'est chaud d'y pénétrer. Ascenseur privatif, fenêtre anti-explosion. Je le connais, ce bâtiment. C'est à Foster Key, juste en dehors de Miami. Et ça, c'est la facture d'un coffre qui a été installé dans le penthouse il y a environ 6 mois. Génial. Dis-moi ce que tu sais. Porte en acier de 30 cm avec serrure à combinaison et verrouillage magnétique. On n'a qu'à la faire sauter ? Non, la charge nécessaire ferait exploser tout le bâtiment. Donc vaut mieux éviter. Pas vrai ? À une époque, je traînais avec des types qui avaient un déchiffreur automatique, un genre de robot qui ouvrait les coffres. Ils l'appelaient la brute. Ce truc est rapide, les gars. Il peut ouvrir n'importe quelle serrure à combinaison. Appelle-les. Dis-leur qu'on veut leur emprunter. C'est déjà fait. Tu prends le volant ? Ça fait une trotte pour un perceur de coffres. Tu vivais vraiment ici ? Ah ouais. L'armée m'a fait déglinguer le cerveau. Et j'ai rencontré quelqu'un dans le coin. Alors je me suis incrusté. Une fille ou un gars ? T'es un marrant, toi. Tu faisais quoi dans l'armée ? Analyste du renseignement. Je vois que tu te sers de tes compétences. Écoute, essaie de trouver un boulot bien rangé en temps de crise avec un manquement à l'honneur, toi, ok ? C'est une longue histoire. J'ai déserté. Combien de temps ? Sur papier, je suis toujours déserteur. Et toi, mec, c'est quoi ton parcours ? Hé, hey, oh, Marcus ! Dune ! Dis donc, t'as pris du bide ? Quoi ? Et toi, t'as l'air en forme. Arrête, je ressemble à rien. S'il n'y avait pas toute cette poussière partout, il me faudrait de la crème solaire indistinct. Pardon, c'est l'ami dont je te parlais. Salut, moi c'est Nick. Oh, eh bien, enchanté, monsieur Nick. T'es vraiment ravissante. Merci. Bon, alors tu l'as ou pas, ce perceur de coffre ? Non, il faut aller au campement le récupérer. Oh, le campement, mais je pensais que tu allais... Ton père, il sera là ? Oh, ça va, arrête, depuis le temps, il a passé l'éponge. Sérieux ? Bon, il va peut-être pas déboucher le champagne en te voyant, mais... On est bon pour aller le chercher, du coup. Hé, hey, l'un de vous veut bien conduire ? Ouais, après tout. Super ! Tourne à droite ici, Nick. Alors, quoi de neuf ces derniers temps ? La routine. Local ou offshore ? Principalement offshore. Mais où, là ? Suis la route, je te dirai quand on est. Bon, alors, le travail te plaît ? C'est le pognon qui me plaît. Et toi, Nick, tu fais quoi ? Je bosse avec Boomer. Oh, des messieurs mal intentionnés. Où est-ce qu'on signe ? Et ton père, il a toujours son putain de flingue. Marcus, il n'y a pas que toi qui évolue dans la vie, tu sais. Il a passé le cap. Ok, dites-moi ce qui s'est passé entre vous deux. Disons que... Marcus et moi, on était très amoureux. Mon père n'était pas d'accord. Et je sais très bien pourquoi. Bref, quand Marcus a quitté la communauté, il a tenté filer de... Filer avec toi ? Kidnapper, a dit mon père. Alors que moi, j'ai trouvé que c'était putain de romantique. Mais ça a un peu mis mon père en rogne. Il faut croire. Montre-lui ton bracelet. Oh ! Un GPS. Pour qu'il sache toujours où je suis. Ça pue. Génial. Moi, c'est le GPS qui me fait peur. Là. Ah,
a l'air enragé. Il a servi dans les cils. Ah, il a pas servi. Et suite à quelques démêlés avec la tyrannie socialiste du gouvernement américain, il a fondé une communauté de vrais patriotes. Des patriotes? Et ils sont armés? Ouais, jusqu'aux dents. T'inquiète, c'est cool, je les connais un petit peu, il y a surtout des hippies. Au fait, les amis, les hippies sont plus là. Quoi? Ils sont passés où? Oh, ailleurs. Bon, ailleurs, je pense qu'ils sont morts, en fait. Le chemin de terre droit devant, c'est chez nous. Voilà. Tiens, tiens. Marcus Boone, le fils prodigue, blablabla. Bonjour, monsieur Alpert. Merci de nous recevoir. Oh, c'est bien normal, voyons. J'imagine que vous êtes Nick. Boomer dit que vous avez un robot qui peut craquer n'importe quelle combinaison. Tout à fait. Faut juste lui laisser le temps de faire son œuvre. Nick Mendoza, c'est ça. Oh, 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 on dirait que ça commence à merder sévère. Mon père surveille tous mes appels de près. Eh, il y a beaucoup de monde qui veut vous parler, Mendoza. Y compris un type de Los Angeles appelé Stoddard. Il est prêt à débourser 250 000 dollars pour votre capture. Il devrait pas tarder. Désolé, Marcus. Dites, les gars, on pourrait peut-être escorter Monsieur Mendoza. Et Marcus, jusqu'à la suite présidentielle, non? Mais attends, t'avais dit seulement Nick. Marcus n'est pas le bienvenu ici. Il l'a jamais été. Oh, pardon, mon chéri, je suis désolée. Séparez-moi ces deux-là avant que je vomisse. Oh, ah, hey, Marcus, juste pour info. C'est pas du tout une question de couleur. Le mépris que j'ai pour toi, c'est strictement personnel. Enfoiré. Ça pue, hein? Ça pue vraiment. Allez, changement. Tourne, tourne, tourne. Super, la suite présidentielle. Peace. Bon, j'ai plutôt une bonne nouvelle. Ah ouais? Ouais, un truc pour... Ouais. C'est Dune qui me l'a filé en douce. Dune, qui vient de nous trahir. Dune, qui t'a trahi, toi. Elle, en fait, c'est vraiment quelqu'un de bien. Ouais, bien sûr. Moi, je suis, comment dire, un prince armé de fin. Ok, reste derrière moi. Ouais, ouais, passe devant. Ok. Faut trouver un moyen de se barrer. Je suis pas contre. C'est quoi encore cet endroit? Un silo à missiles, hors service depuis le début des années 90. Les gars, ça servait pour faire la taf. Pitié. Dis-moi qu'Alpert n'a pas de bombe nucléaire. Ils sont pas de bombe nucléaire. Que je sache. Vous êtes. Bienvenue pour vous rappeler que nous avons annoncé une délivrement de Marcus. Un découlement à la décrépitude. Le temps qui possède la grandeur des équipes. Je vais avoir des droits d'auteur sur ça, moi. Vous savez, dans les universités, dans les cités. Ok, par là. Merde. Où est-ce qu'on va? Yep. Tu décèdes.
Axel, allez. Merde. Tiens. Enfin. Ok. T'as combien de... T'as combien de munitions? Pas des masses. Allez, viens, faut qu'on trouve les coutilles. Les mains en l'air, bien en vue. Comment t'as fait pour sortir de là? Bon, je pense que ça sert à rien que je monte ça parce que... Là, je suis à 15, j'avais envie de l'arrêter. Et pour le fun... Headshot, motherfucker. Hey, un de ces crétins avait mon scanner. Oups. Moi les explosifs. Je crois que je regarde un petit peu en arrière et voir si j'ai... Ah, puis je crois qu'il y a un truc là. Thank you.
fuck me. Ah putain. J'avance perdu. Qu'est-ce que c'est? Graine. Pas la même en fait. Ah mais voilà. Là il y a une échelle. Voilà notre sortie. Nickel. On y va. Ouais, une échelle. Récupère okay. Notre matos. Hein, quoi? Tu déconnes? Faut qu'on se tire d'ici. Écoute, si Stoddard met la main dessus, il remontera jusqu'à Kai et Tyson. Tu piges? Moi, je prends pas le risque. Eh merde. Bon, ok, on fait comment? Albert, t'as des hommes partout dans le coin. Oh, les trucides? Je crois qu'il y a un endroit où on peut grimper sur la gauche. Sinon, on pourrait se faufiler sous la clôture là-bas, sur la droite. Ou alors, on fonce direct dans le tas. Dans le quoi? Tas, allez! C'est son attaque. Mec, c'est toi qui vois. Je te suis comme ton ombre. C'est bien ce que je pensais. Malheureusement. Allons-y. C'est parti. Tu crois que tu vas finir par te faire buter ton porte-moi. Nick, va vers cette remorque. T'as personne d'autre qu'elle comme ami? Pas dans le coin. Je bois du whisky, moi. Je suis pas une couille molle. Y'a bien quelqu'un qui l'a vu? Ok. Le frère Andy, t'es au courant pour cette histoire-là? Ok. Écoute un peu ça. Le week-end dernier, 20 Spetsnaz, les forces spéciales russes, ont atterri à l'aéroport de Denver. Le tien de mon beau-frère qui est bagagiste. Sur invitation du président, qu'ils ont dit. Pas qu'on traîne. Merde. Il est juste ici. Il est merde. Juste là. Oh fuck.
Je fais un délire sur une de vidéo avec ce machin là. C'est dommage qu'il y ait plus, quoi. Il y avait un sacré bug. Un fucking bug il y avait ici. Bon voilà. Allez, c'est parti. Tellement longtemps. Je pensais qu'il y aurait un truc là. Les gars, allez, montez vite. Allez, vite, montez. Putain, c'est quoi ces potards? Tu pourrais me dire ce qui se passe ici? On dirait que ces mecs sont en train de préparer l'apocalypse. Ouais. Tony a, comment dire, pété un câble. Tu crois? Et pourquoi vous avez besoin d'un robot perceur de coffres, en fait? Pour voler un truc. Bah au moins, ça va servir une juste cause. Va à la piste d'atterrissage, c'est là qu'ils ont mis la brute. Ok, et t'es sûr que c'est là? Ouais, je suis sûr. C'est là que Tony garde tout son merdier. Allez, roule! Ok, écoute, il y a une chose que j'aimerais savoir. Oh, rien qu'une seule, moi, il y a plein de choses que j'aimerais savoir. Deux secondes, tu veux. Tony, pourquoi t'as laissé ton père nous tendre un piège? J'ai cru que Nick était juste un de tes connards d'amis, mais quand j'ai su qu'il était flic, je me suis dit que c'était encore pire. Mais bref, on s'en cogne. Bref, on s'en fout. Tu sais que tu viens avec nous, là, non? Tu crois ça? Bordel! Putain! Merde, boomer! Et si, au lieu de ça, je vous livrais tous les deux à ce stodard machin chose et que j'empochais mes 250 000, hein? Non, mais tu déconnes, là! Ça fait pas du tout rire! Je déconne, les mecs, c'est pour déconner! J'avoue que t'étais dingue! Y'a aucune balle dans ce flingue! Et par contre, dans ce flingue, y'en a des balles! Bah, par contre, y'a des balles et y'a eu un accident! Va savoir pourquoi cette fille est dingue! Tout le monde va bien? Tu n'as pris une balle! Je suis touchée au bras. Et j'ai la jambe cassée. On va aller chercher de l'aide, Marcus, ça marche? Marcus, les types de l'embuscade, ils vont rappliquer, ça t'évoque rien, ça? Oh, j'avais zappé. Nick, retiens-les pendant que je me soigne. Il y a des armes dans le coffre. Ça marche. Eh, juste pour info, le coin a changé. Grave changé. Oh putain! Les armes étaient dans le coffre? Oh, fuck! C'est ça notre plan B! J'ai oublié que. Ça. Le mac, je vais prendre le pack. Le mac. En plus, il y a une soulevateuse. Ça, c'est chiant. Non, on va rester avec ça. Quoique, elle fait un peu plus mal la casu. La cam. On va prendre la cam. Prénom la cam. Mais je vois que tu rives pas, bordel! Benji qui sert à que d'elle. Allez, on
mais ça... C'est sérieux, toi? Il est juste ici! Ici! C'est la merde! Mais tu sais, il désingue sa propre assurance. On les a tous eus. Oh. Ok. Assez soigné. Hé. Hey. Ça va aller? J'aimerais que tu me rendes un service. Tony est un chasseur, une diversion serait plutôt utile. Je commence à en avoir assez de ce désert. T'es sûr que tu viens pas? Il faut t'emmener à l'hôpital. Non. Vous avez l'air un peu occupé. L'aérodrome est par là, traînez pas en chemin. Ok. Hey, Dune. Ah oui. Bonne chance. Un de ces jours. Ouais. À cette meuf. Dis de ma part à Tony que c'est un gros con. Ok. Je crois qu'elle a pas son père en haute estime. Hé hey. Tu veux passer voir la maison poulet avant de partir? L'incendie a l'air assez récent. Il y a un truc ici. Enfin, normalement. Je confonds. Bref, c'est pas mal. Ah ouais. Je crois que j'ai déjà appelé, donc je crois que ça a rien. Je t'avais dit que Dune était génial. Son père va nous rentrer dans l'art avec tout ce qu'il a, tu sais. Bah si, on part en premier. C'est un aérodrome, non? On va peut-être trouver un avion. Et elle voulait dire quoi, Dune, quand elle a dit que Tony gardait tout son merdier sur la piste d'atterrissage? Tony a toujours accumulé un tas de trucs. Moi, c'est légal, Dieu sait. Ah ouais? Et quel genre de truc, au juste? Du matos militaire sur le marché noir, des chars, des hélicos, il a même quelques avions sur la piste. Tony est blindé d'oseille. Ah, ça la drogue. Ah, c'est qu'il y tient, en deuxième amendement. Continue. L'aérodrome est un peu plus loin. C'est drôle. J'ai du mal à croire que t'étais flic. Ouais. Bah mon père était flic aussi. Ah bon? Pas le genre de flic auquel tu penses. Tu connais le SDE? La police secrète cubaine? Ah ouais, du coup, t'as suivi la même voie? Bah tout à fait. Merde. Son boulot, c'était de torturer des prisonniers. Et il ramenait du travail à la maison. C'est pour ça que je suis devenu flic. Un vrai flic. Merde, je suis désolé, mec. Désolé que ça ait pas marché. Ouais, ben on dirait qu'il n'y a pas besoin d'être flic pour arrêter des mecs comme lui. Le mec, il rentre comme ça, mon poète. C'est le moment. En route. Défoncé, mais je peux le réparer. Ouais, je sais pas si j'ai vraiment envie de voler dans un avion que t'as réparé. Hein? Sans vouloir te vexer. Attends, qu'est-ce que t'essaies de me dire?
Je vais réparer. Je vais trouver la brute. Branche la radio, ok? Ouais, la radio branchée. Oh merde. Boomer, les hommes de Tony sont déjà sur place. Est-ce que tu vois un genre de... d'entrepôt ouais. sur le chemin? Il est barricadé. Pas moyen d'entrer? Non, attends. Ouais, je crois que j'ai une idée. Ça risque d'être un peu bruyant. Risque un peu être bruyant? Sérieux? Mick, j'avais dit bruyant, pas atomique! Répare ce putain d'avion, je les retiens. Ah voilà, maintenant tu veux bien que je le répare l'avion. Qui m'a donné un petit char? Un putain de char, ouais. Bon, je sais conduire un char. Wow. Des hélicos. Tu t'attendais à quoi? T'as déclenché une guerre. C'est plus cher. Enfin, tiens. Là, là-bas. Sérieux là le... Il est fou. Il balance un fumigène. Il s'enfuit. Encore des hélicos. Son char a calé. Plus de fumigène. Et le monde t'en remercie. Ça y est, cette saloperie peut voler. Ouais, j'arrive. Au fait, Boomer, saloperie, c'est pas super engageant. Quand on aura rejoint Kai et Tyson,
On file direct à Miami. Ouais. J'avais dit que je pouvais réparer la tente. Nice. Et voilà, c'est la fin de l'épisode 8. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Likez, partagez, et on se dit dans 2 jours pour la suite de Battlefield Hardline campagne. Donc voilà, c'était Gunshow. Bye bye.